tout le monde, on est reparti sur du Barn Finders et on continue donc notre aventure comme promis. Pensez au petit pouce bleu ou à vous abonner si vous voulez me faire plaisir. Dans l'épisode précédent, on a trouvé un véhicule dans un garage abandonné. On a également trouvé des pièces pour assembler une moto que j'ai transférée ici pour la vendre. Donc merci de me l'avoir signalé dans les commentaires. Je vais pas la vendre tout de suite, on va déjà faire un petit tour, une petite quête et on va s'occuper d'elle au retour avec les autres objets. Avant, je voudrais venir là et j'ai acheté au passage la lumière là pour voir dans le noir et il me reste 1687. Donc on va acheter la hache, on va acheter la pelle et on va acheter ça pour ouvrir les cadenas qui sont fermés. J'espère que ça va faire l'affaire pour la prochaine mission. Ça m'a coûté un peu d'argent mais il me reste quand même 800$, donc on devrait bien s'en sortir. Donc alors, le prochain boulot est celui-ci. Et on doit aller au Quiet Wood. Donc ici, ça va nous coûter... Il va nous falloir 3 de carburant, donc on va devoir en acheter 2. Heureusement que j'ai gardé un peu d'argent. Je me demande même ce que l'on fait si on... on a acheté trop de choses et qu'on n'a plus d'argent pour acheter le carburant. Est-ce que c'est game over? Je sais pas trop comment ça fonctionne. Donc c'est parti. Donc là, on doit aller de plus en plus loin pour trouver des endroits abandonnés. Hein. Alors... Donc, comme d'hab, notre oncle conduit comme un fou avec le pick-up. Et... Donc là, on est dans un endroit qui, rien que le nom, m'inquiète un petit peu. Quiet Wood, donc les bois silencieux, ou la forêt silencieuse. Ouais, voilà quoi. Et en plus, il fait nuit, bien entendu. Quelque chose m'a dit qu'on va voir l'alien, là. On va probablement le voir. Allez, là. D'accord, la grange, les granges jumelles. Et, alors, on peut toujours acheter des choses, là, c'est vrai. See you later, partner. Ok. Ah ouais, là c'est film d'horreur, hein. Ok, alors... oh, il y a quelqu'un là-bas. Donc on n'est pas seul. C'est un Men in Black. Agent. D'accord, t'as trouvé bien le boulot, hein. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, il veut rien dire. Donc, alors, on... cherche Butch. C'est qui, Butch? Ah, cet endroit est surveillé par les Men in Black, vraiment? Ah bah tiens, alors justement... Ah, j'ai bien fait d'acheter là, d'acheter ça là. Alors, on... où? Ok, ça c'est mon nom. Vous avez entendu le cri? Oh là là. Le Men in Black, pars pas, s'il te plaît, reste dans le coin. Reste là, s'il te plaît. Rien ici. Ça c'est... stop les cris là. Il y a quelqu'un qui se fait torturer quelque part. Bon, est-ce que je peux? Ouh, ok, est-ce que je peux? Je peux pas péter ça. Par contre, je peux péter ces choses. Donc ça peut me faire des ressources, c'est ça l'histoire? Ouh. Ouais, je peux vendre le déchet quand même? Ok, je pensais pas que je pouvais les vendre. Ok, Ouais. Ok, on reste dans la maison. Alors, qu'avons-nous là? On le prend. Ça, c'est des choses, je sais pas encore à quoi ça sert. Alors, on peut effectivement marquer les choses pour le transport, mais normalement, il y a, comme on me l'a signé dans les commentaires, normalement, il y a un coût. Donc, ça a été ramassé, mais alors, on est à 731, je ne sais pas si j'ai perdu de l'argent. Regardez, bah, je vais le refaire de toute façon. Ok. Ici. On pète tout ce qu'on peut. Ouh, ça c'est des objets qui peuvent être utilisés pour réparer des choses, je suppose. Alors, allez, on est à 731. Donc là, je le fais. Non, ça ne nous a rien coûté, d'accord. Donc, alors, certains objets, les gros objets vont nous coûter de l'argent, mais les petits, alors, franchement, je comprends pas l'intérêt de nous donner l'option de nous les ramener nous-mêmes si on peut accélérer les choses comme ça. Alors. Et mais là, on n'est plus dans un intérieur, on est... Oh ok, ça nous permet d'améliorer le bureau. Enfin, le sol. Là, je ramasse tout ce que je peux péter. Alors, j'ai pas ma lampe, là, quelque part. Je vais l'activer. Voilà. Oh purée, elle est claire que dalle. On pourrait peut-être la faire monter le level. Alors, un tonneau. Mabel. Ouh. Si je te marque à la ramasse, je peux péter un arbre? Non. Voilà. Et là, on est quoi? Au cinquième de ramasser? Peut-être un petit peu moins?
Ouh. Ça, ça peut se vendre, ça aussi. C'est le même, non, c'est toujours agent-agent. Je détecte de l'activité paranormale ou des vagues paranormales dans le coin. Ok. On le vend. Alors j'ai une hache, les gars. Hein. Faites pas les malins. Hop, on te marque. Donc là, je fais enfin travailler l'oncle Billy. C'est quoi ça? Ouh, pas te marquer pour le transport. Ça, il n'y avait rien. Ah, ça vaut rien. Ça vaut rien. Hop, on ramasse le bois. La corde. Ça, je te ramasse, on te vend. Oups là, ouh, même ça. Ah ouais, donc faut vraiment retourner aux anciens. On te marque. Rien pour nous. Hop. Là. C'est un objet à collectionner. Alors je l'ai porté. Ouh. Un renard. Eh mais qui fait ça avec les renards? Hop, non, on te ramasse. On va te poser à la maison. Ouh, les crochets qui tombent du ciel. Ok, du plafond. Ça, c'est. Voilà, hein, c'est pas mon truc. Alors, comment je monte? Il y a apparemment quelque chose là-haut et je ne sais pas comment y aller. Voilà. Oh oh. La Macarena? Il fait la Macarena? Ok, voilà, je vous ai parlé d'alien, on m'a dit il n'y a pas d'alien, c'était juste un bonhomme avec des lunettes. Non, non, il y a bien un alien dans le jeu, comme vous pouvez le voir là. Hop, on se débarrasse de ça. Alors toi, on va te ramener, on peut te détruire. Et alors, il y a quelque chose qui mène... Comment ça fonctionne? Objet puzzle. Oh. Ok, donc là, il nous manque quoi? Il nous manque le truc qui tourne? Est-ce qu'il serait là-dedans? Je pense pas que je l'ai raté, hein. Alors, si on l'a trouvé ici, je me dis que l'autre se trouverait probablement dans l'autre grange. Venir, on trouve une pièce ici et il y en a une autre dans le coin. Il y a de la lumière là-bas également? Ah, alors dans l'autre grange, il y a une porte fermée avec une clé. D'accord. Il y a une clé à trouver. La dernière fois que j'ai trouvé une clé, elle était dans un... Oh là là, c'est écrit. Elle était dans un meuble, dans un petit tiroir. Donc, ouais. Ah, c'est ça la lumière? Ok. Alors j'espère que la clé n'est pas posée quelque part sur le sol. Parce que là... Ok, on va te... C'est un truc pour les photos, ça, hein? Un stand de photos à pied. On va te renvoyer... Ouh, ici, il y avait quelque chose, là. Là, ouais, hop. Ouais, bon, bah, on cherche la clé, hein. Ah, oh, alors, peut-être... Ah oui, c'est peut-être le moment de sortir l'appel. Oh. Il y avait rien? Ok, il y avait rien dedans. Et j'ai vu ça là. Ouh, ouh. Oh, c'était les chiottes! J'ai cru qu'un truc bizarre se passait! Oh, j'ai flippé là! D'accord, alors désolé d'avoir lancé l'enregistrement. Ouh, là, je creuse vite là. Ok, c'est la technique. Ouh. Bah ouais, alors toi, on te renvoie. Qui enterre une fourche, quoi? T'as fait quelque chose de pas net avec? Alors, c'est vrai que j'ai normalement le crochet là pour ouvrir la porte, mais je peux pas le sélectionner, vous voyez. Le bouton 3, c'est l'appel. Le bouton 4, c'est ça. Et tu n'as pas de clé. Ça me dit bien qu'il me faut une clé. Donc, je ne sais pas comment ouvrir cet endroit, peut-être de là. L'ouvrir. Alors, à quoi sert le crochet du coup?
Enfin, dans quelle situation il est utile? Parce que là, je me serais dit, vu que... Ouh. Hop, merci. Je me suis dit que on aurait besoin de tous les outils dans la mission là. Ça a l'air d'être le cas, mais j'ai quand même pas la clé. Et j'arrive pas à la trouver. J'ai beau fouiller absolument partout. Oh, la clé était là, je suis passé à côté. Oh là là, j'ai galéré parce qu'en plus j'ai la compétence qui est censée me permettre d'ouvrir les portes avec cadenas. Le problème c'est que je peux pas sélectionner l'outil, vous voyez, le bouton de le numéro, il n'y a pas de numéro pour l'outil en haut de l'écran et j'ai vraiment galéré et j'ai pas réussi. Oh là là. Ok. Bon. Alors, hop. Ah, ça j'en ai besoin. C'est ce qu'il nous faut pour l'autre côté. Je commençais à désespérer pour être franc. Ah, Tantramès. Il me reste encore un peu plus d'objets que je pensais qu'il y en aurait là à ce niveau. Ah, alors, hop, non, hop. On pète tout ce qui ne sert à rien. Ça. Hop. Tu viens le chercher. Alors je vais voir si je vais pas être facturé à la fin du stage pour cela. Parce que je trouve vraiment bizarre de ne pas avoir à les ramener pour être franc. C'est côté gameplay, il devrait y avoir une contrepartie, vous voyez. C'est en général ça qu'il y a dans les jeux. Et là, il y a pas l'air d'en avoir du tout. Je comprends pour les gros véhicules qu'on a à payer quelque chose, enfin, beaucoup, mais là, on doit avoir une petite somme. Alors, là, ah, ok, c'est pas ça. J'ai même plus besoin. J'ai même plus besoin de retirer la planche, je peux la casser. Donc ouais, il faut vraiment venir ici avec tous les outils. Hein. Et maintenant, il y a rien dans la poubelle? On peut la péter la poubelle. Ok. Et je peux pas péter la porte, non. Bon, alors maintenant que on a ça, alors au passage, bah tiens, regardez, on a bien les choses qui vont s'entasser dans le pick-up. Voilà. Maintenant, alors je vais rapprocher juste, excusez-moi, ça fait un peu de bruit, je vais rapprocher, hop là, un petit peu le micro de moi. Voilà. Et l'autre baraque est là-bas. Ouais, donc faut vraiment la pelle, la hache pour ici pour profiter au max de la zone. Le crochet, lui, est pas très utile. Alors, on va là. Et on dépose. Il n'y a pas un rondin que j'aurais pu poser pour faire la même chose. Non? Ouh. Ah. Il a lâché un petit peu. Oh. Ok. Ah, alors. Ah, toi. Bah, alors. Bah, Billy vient là. Ça. Pas besoin. On pète, on ramasse, on le retire également. Alors. Tac. Donc là, on a ça. Viens le prendre, Billy. On en a absolument besoin de ça. Et il me reste un petit quelque chose. Par contre, pour être franc, j'ai tellement fouillé que j'ai pas tellement envie de refaire le tour complet. J'ai raté quelque chose qui doit être caché. Ou alors vraiment évident et je suis passé à côté. Mais ouais, pas grave. Alors là-dedans, il n'y a rien. Pas ouvrir là, non. C'est pas une trappe qui mène vers le bas. Voilà. Ouais, j'ai vraiment, vraiment fait le tour. Hein. Donc il reste un... Ouh, tu m'as fait peur, toi. Il me reste un petit quelque chose que l'on récupérera sur une autre partie. Je m'attends pas à ce que ça me rapporte énormément d'argent. Alors. J'ai trouvé des caisses hein, dans la forêt, des choses à ramasser. J'ai trouvé un tableau dans la maison. Au passage, je sais qu'on va me le signaler. Il y avait un tableau là, je l'ai ramassé et tout. Bon, alors. On est pas mal. Du coup. Il nous manque un objet. Il nous manquait un petit quelque chose perdu. Alors, la dernière fois, il me manquait un objet à collectionner. Là, c'est juste un objet standard, pas grave. Ça me manque un petit peu le radar, vous savez, qu'on lance autour de nous et qui détecte tout. Alors, voilà, on arrive, il fait nuit. Alors, la lune dans le jeu, je sais pas si on la voit d'ici. Elle est gigantesque. Vous savez, la Lune s'éloigne toutes les années ou je sais plus tous les mois d'un centimètre. Donc là, elle est vraiment proche. On est ouais. Okay. Bon, alors, du coup, la moto est là. On va te poser ici. Ensuite, est-ce que je peux mettre là-dedans? Là-dedans? Non. Ok. Bon, ben on va dodo. Et une nouvelle journée va démarrer. Je sais toujours pas à quoi ils servent ces ressources. Est-ce que c'est pour réparer? Ok. Pas tout casser non plus. Et une nouvelle journée va démarrer. Alors, est-ce qu'on rêve encore de notre oncle?
Ouais. Mon personnage est obsédé de l'oncle Billy. Donc mardi à 8 à 7 heures. Ah, il y a le générateur qui tourne juste derrière. Là, vu comme c'est fin les murs, moi j'aurais du mal à dormir. Alors je tourne un petit coup d'œil au contenu là-dedans. Alors, il y a des choses qui se combinent, mais pour être franc, je suis pas sûr qu'est-ce qui va avec quoi. Alors il y a des choses cassées qu'il va falloir réparer. Donc on va déjà valider la quête, ça va être fait. Voilà, 385. Nouvelle quête. Allez chercher ça, récompense 304. Ah, il faut être un... pouvoir ouvrir les cadenas. Ok, donc ça, c'est pas un problème. Alors, on va lancer la vente en ouvrant le magasin. Et pendant que les gens se ramènent, moi, j'aimerais voir, est-ce que je peux... Est-ce qu'il y a un endroit pour réparer? Je vois pas où... Où construire la chose qui répare peut-être l'autre côté, là-bas. Alors. Ouais, ok. Ah, et donc là, il faut réparer ce qui est cassé en utilisant les ressources que l'on a trouvées. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le magasin? Non. Encore, donc on va ramasser ça. Waouh. Oh. Ah, quelqu'un est là, quelqu'un est là. Donc toi, tu veux quoi? Tu veux... C'est un laveur? Ouh! 286. Alors là, on va bien négocier. C'est 65. Je peux négocier encore une fois. Voilà. Hop là. Plus 26. Bon, c'est un bon prix de vente. Est-ce que je peux remettre quelque chose là? Ouais, la fourche. D'accord. Voilà. Alors, maintenant, je prends toi. On va te mettre ici. Alors, comment je répare maintenant? J'ai pas de marteau. Ah. Non, mauvais bouton. Ok, y a un client. Ouh, Billy, tu te téléportes. Tu te crois dans Naruto? Alors toi, 300, mais on va bien négocier. Ouh, j'ai cliqué. Il veut pas. Ah! Ok, j'ai négocié. Il a gagné la négociation. Ok, voilà. Alors, on va le vendre. Ah, et il a pas voulu. Ouais. Ok, toi. On va te vendre ça, pas le temps. Pas le temps de se préoccuper des choses. Hop, il n'y a rien d'autre à poser. Toi, tu es toujours là, la fourche. Il reviendra. Alors, on revient là. Ok, faut cliquer en chaîne. Et là, ça utilise la corde. C'est réparé, là. Un autre. Ouh, alors toi, tu veux la moto, on va négocier, là. 660, et elle était à 600, hein, je crois, de lister. Hop, parfait. Ouh, plus 150. Et on tente de négocier un peu encore. Voilà. Voilà, max, 810. Bon, alors, je crois que j'ai réparé ça, donc je vais pouvoir le ramener. Ah non, il reste un endroit, ok. Il me fait quoi, là? On le remet? Voilà. Alors, on va au magasin. Et on va te poser. Ici. Alors, l'alien, tu veux. Ouh, tu l'as. Elle est en or ou quoi celle-ci? Hop là. Plus 75. Un dernier coup. Et plus 30. 435, très honorable comme prix. Ah, ici, bah du coup, j'ai d'autres choses à réparer.
On a la télé. On va voir si j'ai assez de composants pour ça. Quelqu'un est là. Oh, bizarre parce qu'il faut faire clic droit en chaîne. Voilà. On y va, j'espère qu'il n'y a pas de voleur. Alors, toi. 80, on te vend direct. Et je continue, hein, j'ai des choses à réparer. Et ça, c'est le dernier. Parfait. On va pouvoir le vendre parce que je n'ai plus rien d'autre à réparer pour le moment. Juste des choses à assembler. Et alors, hop. Ah, elle est revenue plusieurs fois aujourd'hui. Vas-y, prends le direct. Ouh, c'est bon, ça va peut-être se déformer. Alors, il me reste quoi à vendre? Rien. Il me manque juste la chaise. La chaise, et on est bon. Alors, peut-être que j'ai... Ah, c'est pas ça qu'il me fallait pour toi. On va te mettre là. Il faut des rouages. Je sais pas si j'en ai déjà obtenu. Et l'alien veut la chaise. Alors, on va négocier l'alien. En plus, je pense que tu imprimes. Tu imprimes probablement notre monnaie. Ah, je peux pas la négocier plus. Donc, c'est fait. Et allez, on va accepter le job. On va se déplacer pour le job suivant, pardon. Alors, j'ai un nouveau. Ouais. Le Barn Hub. Et on doit aller. On doit aller où? À Antma. Ouh. Il y a 2 500 $ qui nous attendent là-bas. Bon, on va faire le plein. Et on va acheter des outils derrière. Donc, je vais claquer un petit peu. Ouh. Alors, est-ce que j'investis pas plutôt chez moi? Ou est-ce que je prends des nouveaux outils? Alors, on va voir. J'ai pas tellement besoin d'outils, en fait. Je pense que si j'ai le basique, c'est bon. Ils vont me le dire, de toute façon, s'il me manque un niveau pour un outil. Et dans quel cas, je vais l'acheter. Ouh. Alors, au moins, là, il fait pas nuit. On n'est pas dans un endroit flippant avec du brouillard, des aliens, les MBI, les Men Black In. Je sais pas c'est quoi leur acronyme. Voilà, c'est parti. Et du coup, j'ai pas regardé si j'ai eu une pénalité sur les sous quand j'ai récupéré. Juste. Alors, genre. Ah, mais là, c'est tous mes clients, là. Coucou les gars, coucou les filles. Ah, c'est... Il y a une auction. Ah, oh, c'est un endroit à vendre. Heureusement, j'ai pas claqué mes sous. Ok, ok, d'accord. Ouais, ben du coup, on y va. Ouais. Allez. 400. Nous saoule. Oui, il paye. Ok. Alors, on a combien, nous? On a 3 500. Donc là, on est à 1000 avec un potentiel de gain de... De 2 500, on se rapproche du potentiel. À mon avis, il y aura beaucoup plus, mais quand même. Oh là là. Allez, 2 200. Allez, allez. Oh, allez, à moi. Désolé, tout le monde. C'est pour ça que tout le monde était réuni ici. Alors, normalement, il y a un PQ dans le coin. Ouh. Les bruits d'aboiement sont bien faits, je trouve. On dirait, j'ai même hésité en me disant est-ce qu'il y avait mes voisins qui, les chiens des voisins qui aboyaient. Alors pas le, ça. On va te péter, on a besoin des compos. Hop. Hop, hop. On ramasse tout. On fait les poubelles, les gens vont être contents. Et on va aller voir tous les trésors qu'il y a. Ouh. Il faut vraiment que j'améliore l'intérieur de ma base également. On va le faire en rentrant, ça, si je n'oublie pas. Alors, on avait besoin du crochetage pour ici. Donc, il y a probablement... Oh, purée, l'envoyé. Il crade. Ah là là, les tags et tout. Alors. Je ne peux pas vendre le frigo. Pas vendre le frigo. Ok.
Ça, on le marque pour le transport. Pour le moment, rien de spécial, hein. La baignoire. Ah. Ça, on va le faire rentrer. Oh, que c'est crados. C'est la banlieue, là. Mais pas de la banlieue normale, la banlieue de la banlieue. Alors. Ah. Ah, il faut les faire monter dans le bon ordre. Ok, bon, c'est pas trop dur. Ouh. Ok, alors là, c'est là que je vais gagner mes sous. Avant de regarder la bagnole, on regarde les tiroirs. Bonne chose après. C'est quoi ce bruit? Vous entendez le... Marc. Rien derrière. Ouh, on va te marquer. On va passer. Quoi ça? Une antique. Ah, c'est toi qui sonnais? Amélioration des murs. Alors ça, on va te renvoyer. La table, on peut rien y faire. On ramasse les déchets. Ça, on pète pour avoir les ressorts. Et maintenant, le véhicule. Waouh. Et mais comment le gars, il arrête de payer quand il a un véhicule comme ça dedans? Alors, ça me coûtait 150 pour le rattacher. D'accord. On m'a demandé est-ce qu'on peut contrôler les véhicules. On peut pas contrôler ces véhicules. Ils sont même vous aimez mon pick-up, on le conduit pas vraiment. Il est juste là pour faire style qu'on a un véhicule pour le transport. Hop. Alors tac tac. On nettoie le tout. Ah. Très bien. Il me reste beaucoup d'objets. Hein. Ah, alors. Voilà. Rapide que trois trucs à faire. Hop, on se débarrasse de ça. Ça, on va te vendre. Est-ce que je peux faire... Ouais, les deux en même temps, ouais. Ok, Billy peut... L'oncle Billy peut transporter, peut avoir deux ordres en même temps. Il est pas trop bête. Toi. Ah, voilà, un petit peu de ça, un petit peu de bois, un petit peu de déchets. Au final, quand on va partir, ils vont pouvoir revendre la baraque. En fait, c'est quoi que j'ai acheté? C'est la baraque que j'ai acheté ou c'est les droits de récolter ce qu'il y avait dans la baraque? Je me dis, si c'est la baraque, c'est un petit peu beaucoup quand même. Parce que bon, un peu de peinture, nouveau carrelage, et on a quelque chose de pas mal. Ouh, trop mignon, le toutou. Bon, ben, je continue de fouiller. J'ai rien oublié là, je crois. Oh, la clé est là, mais oh là là, comment ils arrivent à cacher les clés? Alors, j'arrive pas à la ramasser, pourquoi? La clé est là! Ouh, j'ai eu peur! Ouh. Oh là là, imaginez trouver la clé là-bas. Ah, il faut aller tout en bas. D'accord, alors je sais qu'il y a le PQ et dans la pièce, quelque part vers là. Et c'est moi qui fait un peu plus sombre que tout à l'heure. Alors. Donc je sais qu'il y a des choses sur le toit à obtenir. Tac, tac. Je pense que le développeur a dû enregistrer les bruits des chiens de son voisin. C'est trop réaliste. Ah. Alors, les bouteilles posées comme ça, très souvent, c'est que c'est pour viser avec un flingue, non? Ah. Bah tiens, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Bon, toi, on t'envoie. T'en ramasse, t'en détruit, on voit les compos. Et il nous reste un petit peu de choses. Tac, tac. Ah, il y a quelque chose. Est-ce que c'est un...
Tiens, non, c'est pas un puzzle. Les briques nous donnent également de ça. Ça, on retourne à la rue. Je peux pas te casser, toi. Non. Une bûchette. Comme ça. Ah. Bah finalement, si c'en était peut-être un. Alors. Tac. On récupère tout ce qu'il y a là-dedans. On détruit mes bols. C'est quoi ça? Ok, un mannequin. On a... Ouh, voilà. Là, tu vas partir. Et là, vous entendez? J'entends le bruit du PQ. Vers là. Alors, je peux pas aller là. On va sortir et il reste encore une chose, au moins une, je dirais peut-être deux. Ah, c'est quoi ça? Cuisineur. Ok, alors je voudrais juste aller à l'étage. Vous entendez? C'est là-bas. Ok. On va dehors. C'est quelque part vers là. Que ça serait dans le sur le toit du garage. Je peux pas péter la fenêtre là, j'ai déjà essayé. Non, c'est pas dans le garage. Et j'ai aucune idée. Bon bah tant pis pour le PQ hein. On reviendra une autre fois. Donc du coup, on retourne à la maison et on va valider la quête. Et toi? Donc on a ouais le Golden Pepper, c'est tout ce qu'il nous manquait. Je l'entendais mais je le voyais pas, et à moins d'aller vraiment sur le toit, mais même là je pense pas qu'il était au-dessus. Il devait être dans le grenier ou quelque chose du genre. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une trappe? Ah, peut-être qu'il y a une trappe au-dessus. Alors, transfère-moi tout. Voilà. Du coup, on va valider la quête. Il n'y a pas d'autre job. Si? Ah. Bon, du coup, alors, qu'est-ce que je peux mettre là? Voilà. Ensuite, ça, on a mis... Ouais, l'aspirateur. J'ai rien qui peut aller là-dessus. Ok, le pistolet. Alors, là-bas. Avoir des choses cassées quand même. Oh, on a des choses sales. Oh. On le met là. Comme ça. Parfait. On va te remettre là. Maintenant, il y a ça, le petit meuble que l'on avait trouvé. Et normalement, ouais, le dernier objet va être vendu pour pas grand-chose. J'ai pas eu des... En dehors de la bagnole, j'ai pas eu des objets à bon prêt. Donc, alors, je vérifie. Rien qu'on peut poser là-dessus. Rien là-bas. On peut rien mettre là. D'accord. Alors, il nous reste donc un événement.
avant la prochaine mission, mais on va le faire, enfin, celui-là, enfin, il nous reste un numéro, il nous reste probablement plus, mais on va le voir dans le prochain épisode. Donc je vous invite à me rejoindre probablement demain. Je vais essayer de refaire un autre épisode rapidement car j'ai un autre jeu que j'attends vraiment qui est sous embargo, qui va avec l'embargo qui va prendre fin mardi prochain. Donc je veux vraiment vraiment vous le montrer et j'ai déjà un let's play avec Space Engineers. Donc je vais essayer de vous mettre les épisodes assez proches pour être prêt pour le prochain jeu mystère que je vais vous montrer. Un jeu où on va allez, un petit indice, où on va démonter des gros vaisseaux pour essayer de gagner de l'argent. Ça a l'air d'être vraiment pas mal. Donc voilà, donc merci à vous d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Bye bye.